Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de très bonnes vacances. Moi je suis allé en Bourgogne, donc du côté de Louhan, pour ceux qui connaissent, et aussi les cascades du Jura, parce que j'aime beaucoup aller me ressourcer là-bas, même si la cascade du Hérisson c'était plutôt un filet d'eau qu'autre chose. Mais c'était quand même pas mal. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je vais vous parler d'un sujet très important, surtout pour vous, c'est la copie. Vous savez que quand un produit se vend très bien, qu'il y a des expertises en plus scientifiques, ben, vous avez un pays, en l'occurrence donc la Chine, donc avec des fabricants, se permettent donc de copier des brevets et exportent dans les autres pays. Alors eux, ils sont en Chine, donc ils n'ont pas de problème parce que la juridiction là-bas ne reconnaît pas les brevets ou commence vraiment à s'y intéresser. Et par contre, ben, c'est ces distributeurs qui en prennent dans ces cas-là en plein dans la tête s'ils vendent donc des copies donc, d'appareils donc, qui sont brevetés. Donc aujourd'hui, vous vous rappelez, ça c'est l'appareil donc hydrogène que vous connaissez tous maintenant, voyez. Et vous avez ici la copie. La copie qui à l'époque était déjà carrée, donc là c'était trop flagrant, on disait nulle part. Donc les Coréens ont dit stopper déjà même la fabrication, etc. Cette entreprise n'a pas voulu donc déjà en plus répondre à déjà cette demande et a dit on va changer de design. Seulement c'est que le design reste toujours une copie et l'intérieur aussi, même si ce n'est pas du tout les mêmes composants, et c'est vraiment du caca, c'est qu'à de le dire. Donc, ce qui s'est passé là récemment, c'est en plus, c'est que j'ai des clients qui m'ont appelé en me disant voilà, j'ai un site où j'ai acheté un appareil, donc on prend de la copie, et c'est pas du tout ça, ça fuit, etc. Moi, je lui ai dit écoutez, montrez-moi, et quand je suis allé voir, j'ai dit oh là 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 là. Sur ce site internet, il y avait une vidéo où je présente, je parle de l'hydrogène moléculaire. Sur le site, il y avait les photos du produit, donc hydrogène. Alors, ils avaient juste enlevé la marque hydrogène dessus. Je dis là, c'est pas possible. Il y avait même d'autres photos où on avait fait ça. J'ai fait ça par une amie graphiste. Donc, elle a fait tout un truc qui était d'ailleurs même mis sur mapreuve.com. Et ce gars-là utilise les photos. Alors, je dis là, c'est pas possible aussi. Donc, suite à cela, ce que j'ai fait, j'ai appelé un huissier pour faire ce qu'on appelle un procès-verbal de constat. Donc, et j'ai donné les liens en disant, voilà ce qui se passe à aujourd'hui. Et je suis spolié de mon travail. Et en même temps, la personne apporte une copie. Donc, je vous mets en garde par rapport à cela. D'ailleurs, là, je vais zoomer sur les deux appareils quand même pour vous montrer. Et pour que vous puissiez voir et faire très attention. Donc, en tout cas, si vous avez acheté cette copie, vous appelez ce monsieur, ce kidam, et vous lui dites « Monsieur, vous m'avez trompé, vous avez utilisé une vidéo qui ne vous appartenait pas, vous avez utilisé des photos qui ne vous appartenaient pas sur votre site, me faisant croire que c'était cet appareil-là. » Et d'ailleurs, je suis sûr que ce monsieur a dû lui dire que c'était, en tout cas à ses clientes, que c'était vraiment la même chose, il n'y avait pas de différence, etc. Et les gens se sont quand même fait avoir. Donc, vous avez tout à fait le droit de lui demander le remboursement. Et s'il ne veut pas, vous porter plainte. Et moi, d'ailleurs, je peux me porter caution avec vous parce que je suis aussi une victime. Donc voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle le procès verbal par un huissier de justice. Et par exemple, là, il y a le CD que l'huissier vous envoie aussi avec, hein, directement, qu'on envoie d'ailleurs après à l'avocat, donc pour lui montrer. Et d'ailleurs, même, vous voyez là, ceci qui prenait mes images sans la marque hydrogène dessus, donc il avait fait ça avec Photoshop. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Tout ça, quand j'ai vu ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo par rapport à ça pour vous montrer ce site en question donc de mes produits, de mon produit hydrogène. Là, je vais zoomer, ok? Je viens tout de suite. Alors, ici, hydrogène, le vrai. Là, ici, la copie, le faux. Dans hydrogène, vous avez un capuchon au-dessus. Dans la copie, vous avez aussi le capuchon. Vous avez un des deux adaptateurs, vous avez aussi l'adaptateur. Vous avez à l'intérieur donc la membrane d'échange protonique, et là vous avez cette fausse membrane d'échange protonique. Alors vous ne voyez pas avec la caméra, mais en fait au fond il y a une sorte de petite grille qui ne correspond pas du tout en fait au fond. Donc je vous montrerai en photo. En dessous, vous avez le réservoir pour récupérer l'eau qui va être oxydée. Avec le bouchon, bien sûr. Et sur la copie, vous avez aussi
l'ouverture pour récupérer l'eau oxydée. Rien que déjà le plastique, il est cheap. Hein. Mais bon, c'est normal, ça vient de Chine. Donc, ils ne vous font pas la même chose que chez nous. En tout cas, les Coréens, eux, n'ont pas apprécié. Donc, vous voyez, c'est... Ça paraît vraiment, même là, les quatre petits points, là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour vraiment faire croire que c'est le même appareil, c'est vraiment la même chose, mais je peux vous dire que là, je vais vous montrer là après en photo, le faux du vrai, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Donc, et en plus, avec l'appareil hydrogène, ben, quand on le fait fonctionner, on met le petit capuchon en dessous, pourquoi? Parce que là en dessous, quand on appuie, on sent que c'est, est-ce qu'on a ça? Ça rentre à l'intérieur si vous voulez. Donc, par le petit, vous voyez ça ici, hop, les croissances, bah, quand on les par-dessus, ça l'appuie pour faire évacuer le gaz. Et bien, ils ont pensé aussi à la même chose chez les Chinois. C'est-à-dire, vous avez ça ici, la même chose, et vous mettez par-dessus. Vraiment, ils ont pensé à tout, mais le problème pour eux, c'est que quand moi j'ai démonté l'intérieur, même si ça ressemblait énormément, mais énormément, la membrane qui est en fait à l'intérieur, cet échange protonique n'est pas du tout celle qui était à l'intérieur. Donc, ils prennent des brevets, ils essaient de faire, ils font des copies. Simplement, c'est que vous derrière, vous mettez votre santé en danger. Je vous rappelle que vous la buvez de cette eau-là. Donc voilà, ici vous avez l'original, là vous avez la copie. L'original, la copie. Donc voilà, faites très très bien attention. Ne vous faites pas avoir avec les copies, parce que je peux vous promettre que c'est votre santé après qui en dépend, parce que cette petite grille métallique, à un moment donné, ben, si vous voulez, ça va se dégrader, vous allez vous retrouver avec des nanoparticules dans l'eau, et donc vous allez l'ingurgiter, et ce sera vos reins qui en prendront, ou vos autres organes. Vous savez, là-bas, ils s'en foutent. Hein. Moi, dernièrement, j'ai vu quoi? C'était les crevettes à la gélatine. Bon, hop, on met plus de gélatine pour faire croire que la crevette est plus grosse, et on paye plus cher. Bon, je me souviens toujours, moi, des fauteuils qui ont brûlé le dos des personnes, les jambes, etc. Moi, personnellement, j'ai connu les chaussettes qui m'ont brûlé les pieds, faisant plaisir à un marchand au marché. Donc, je dis, ouais, bah, je voulais prendre, paraissait très bien. Et bah, ça m'a brûlé les pieds. Vous avez eu, je pense, chez eux, donc en Chine, le scandale du lait frelaté. Il y a aussi, quoi, les plaquettes de disques de frein. C'est hallucinant, tout ça. Donc faites attention parce que là, vous la buvez. Donc voilà. Et bon, je vais faire interdire ce produit en tout cas. Et cette personne, ce Kidam qui se permet d'utiliser mes photos, encore une fois, la vidéo où je suis présente, lui aussi, lui, je ne vais pas louper avec déjà le procès verbal et bien sûr au niveau de la justice parce que ce n'est pas normal qu'on vole mon travail en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée à vous. Au revoir.